Elles sont les seules personnes autorisées à toucher les célèbres manuscrits de la mère morte. Ces quatre femmes, toutes originaires de l'ex-URSS, passent leur journée dans ce petit laboratoire du Musée d'Israël à Jérusalem à restaurer les précieux fragments. Parmi eux, le plus vieil exemplaire connu de l'Ancien Testament est quantité de manuscrits en hébreu, en grec ou en araméen, certains datant du IIIe siècle avant notre ère. Une restauration fastidieuse qu'elles accomplissent avec fierté. Je ne considère pas ça comme un travail, mais comme une bénédiction. Lorsque j'ai vu les fragments pour la première fois, mes mains ont tremblé. Leur pire ennemi, c'est le scotch. Lors de la découverte des manuscrits, le scotch venait d'être inventé et semblait une solution parfaite pour coller les fragments éparpillés. Aujourd'hui, machine arrière. Le scotch a abîmé les manuscrits, il faut en retirer les moindres particules à la pince à épiler. Nous avons là des dizaines de milliers de fragments appartenant à 900 manuscrits. Cela fait 1267 planches de verre. C'est une énorme quantité de matériaux. Ça fait 18 ans que nous travaillons dessus, nous n'en sommes qu'à la moitié. Il nous faudra encore au moins 18 ans pour tout terminer. Après traitement, les manuscrits sont exposés aux visiteurs pour une courte durée. Ils rejoignent ensuite la pénombre d'une pièce dont la température et l'humidité rappellent l'atmosphère de la grotte où ils ont été découverts. C'est un berger jordanien qui a découvert les rouleaux il y a près de 60 ans. En 1967, Israël s'empare des manuscrits conservés dans un musée de Jérusalem-Est. Depuis, la Jordanie veut les récupérer. L'État hébreu refuse, arguant que ce trésor fait partie de l'héritage juif.